Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons travailler sur le logiciel Maya en animation technique, où on va travailler sur les différents éditeurs qui permettent de gérer l'animation dans Maya, et notamment le Post-Editor, qui est un éditeur assez intéressant parce qu'il permet de faire des transformations morphologiques locales pendant l'animation donc d'une forme. Ici, notre grenouille qui est animée par un squelette, comme on va le voir, et selon la position des rotations donc des différents joints composant le squelette, eh bien, on va pouvoir donc amener une transformation morphologique spécifique. Bon, assez classiquement, le bras qui se replie, le biceps qui gonfle, on pourra venir donc exagérer, réduire ce phénomène-là et apporter donc une animation secondaire précise dans la morphologie donc de notre forme, ici encore une fois notre grenouille, pour réaliser donc une animation plus complexe, plus précise de ce que l'on veut faire ici. Ok, donc on va voir notre exemple de notre petite grenouille verte ici, et on va venir donc travailler sur la base, sur la forme. Donc ici on va partir sur la base, une pose donc de la grenouille, un peu hantée, hein, on va dire, pas tout à fait, mais un peu hantée ici, qui va nous permettre donc de poser les bases avec le pose editor. Ici, donc le Pose Editor, je l'ai déjà ouvert, mais on le retrouve dans Windows, Animation, Editor, Pose Editor ici. Okay. On peut le retrouver aussi donc, dans le menu Animation pour venir donc définir le Pose Space Editor, ici Create Pose Interpolator et Pose Editor ici aussi. Donc l'idée est assez simple, c'est de venir prendre, donc sélectionner les joints qui animent, donc qui composent le squelette et qui animent donc la forme ici, donc notre grenouille. Hein. Ok, voilà, ok ici. Et on va pouvoir donc, alors après avoir arrangé donc le setup et le skin aussi, hein, parce qu'on peut voir ici par exemple qu'on a donc quand on bouge le bras une déformation du corps. Donc si on veut d'une part avant d'utiliser le pose editor limiter donc l'influence donc de certains joints qui ont été distribués par cette influence étant distribuée automatiquement quand on fait donc dans rigging. Ok, skeleton skin, donc bind skin, hein, avec un dispositif ici assez classique que j'ai utilisé durant une hiérarchie. Closed distance classique, linéaire, interactif, distance et juste max influence 3 et drop of rate 8, même avec un drop of rate de 8 qui permet donc une atténuation plus rapide donc de l'influence. Et bien on voit quand même, selon la morphologie de la forme ici de notre grenouille, qu'on va venir donc transformer, enfin influencer donc le corps. Donc il faut aller sur le Paint with Tools. Ici, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste garder là, on va enlever un peu le décor. Donc on va sélectionner Frog, Setup Frog ici, et Ops, Show View Selected seulement. Voilà, ok, on aura un peu plus de marge de manœuvre ici, et on prend Skin, Paint, White Skin Tools, voilà, ici, et on va venir rectifier donc ici les influences. Okay, donc on va pouvoir peindre donc ici enlever plutôt pour réduire l'influence effectivement sur le bras ici, voilà. Ok, donc ops, rotation ici et voilà. Ok, on a juste une influence un peu locale ici, tout va bien. Ok, donc on va pouvoir ici on va faire l'exemple donc du bras. On va pouvoir mettre en place donc le système de pose editor, donc Windows, alors je l'ai ici le pose editor, voilà. Donc on va sélectionner donc les joints qui vont influencer donc la zone qui nous intéresse.
voire au-delà, on peut prendre un ensemble donc de joints sur lequel on va au fur et à mesure apporter éventuellement des modifications sur les vertex qui sont influencés par ces joints. Donc il ne faut pas se limiter à un seul joint. Donc, en général pour le bras, éventuellement on part de la clavicule, on sélectionne donc les joints jusqu'au poignet par exemple. Après on fera une deuxième pose pour les doigts et puis après les différentes parties du corps. À savoir que l'on peut donc faire un effet miroir sur ce travail-là. Donc on va faire un create pose interpolator ici. Pour commencer, ok, qui va donc nous donner donc les poses neutrales, donc qui sont définies, d'où l'idée de d'avoir donc nos personnages dans une position neutre, une bind pose comme on peut retrouver, donc on peut avoir go to bind pose ici, hein, effectivement, ou une pose qui semble, voilà là. La plus neutre possible. Ok. Et donc on a arrêté ici donc cette pose-là. Et puis on va donc commencer à, par exemple, donc on va classiquement replier donc ici par exemple le coude. Et on voit donc ici que c'est un peu d'influence au niveau donc de l'avant-bras ici du biceps et on va venir donc le transformer morphologiquement ici. Donc pour ça on a replié donc ici le coude et on fait add pose, on crée donc une nouvelle pose liée donc à celle-ci puisqu'on est sur cette pose-là que l'on peut avant donc renommer. Hop, je vais revenir ici pour avoir quelque chose de plus explicite. Rename, pose neutre, bras droit. Ok, voilà donc la pose neutre bras droit. Ensuite, donc on amène une rotation ici et on crée add pose ici. Ok, donc ici blend shape. Par défaut, il y a le mot blend shape, donc on peut rajouter donc coude plié, pli droit, par exemple, blend shape coude pli droit. Donc base mesh bound to joints, c'est-à-dire ceux qui sont liés aux joints ou selected si on sélectionne, on peut sélectionner une partie hein, de la forme ici hein, du mesh, voilà. Déformation order automatique, create post shape, create post shape. Ok. Et donc là, on va être en mode donc edit. Par défaut, on peut décocher edit et on peut le recocher. Et donc à ce moment-là, on sera en mode edit et avec ce mode edit, on va pouvoir donc tant qu'on y est, et ici c'est en rouge, edit, on va pouvoir donc transformer. Notre morphologie, enfin la morphologie de notre mèche qui a été pris en compte ici. Donc, hop, je sélectionne mon mèche, je suis toujours en mode edit, ok, et je viens donc, alors, soit avec les outils, j'ai sorti les outils de Sculpting Tools, hein, Sculpt Tools ici, ok, on va pouvoir donc éventuellement sculpter, voilà, gonfler, hop, j'exagère bien sûr, voilà, ok. Éventuellement, j'exagère. Ok. Voilà. On voit bien. Et on pourra, si c'est un low poly, utiliser le déplacement des vertex. C'est le cas ici, hein, notamment au niveau de l'avant-bras, du bras plutôt. On a donc, en général, il est tassé en low poly ici. Et on va pouvoir donc le. Hop. Voilà. Et ça sera plus précis éventuellement de venir donc bouton droit, vertex. Ok, aussi ça marche. Voilà, pour venir ajuster donc les points. C'est l'avantage d'être en mode low poly ici. Donc, pour exagérer un peu encore, au-dessus du dessus. Monter un peu. Voilà. Ok. On peut le faire. Gros biceps ici. Ok, quand on a terminé ça,
par les différentes méthodes de sculpting ou de modélisation, hein, okay, on enlève Edit et on vérifie que ça fonctionne bien. Ici, ok, voilà. Ok, donc ça va nous permettre, voilà, de manière assez simple et de manière ponctuelle, je dirais, dans la forme et selon les positions. Bien sûr, on peut trouver une position intermédiaire ici, refaire donc un add pause et réduire la forme ou l'augmenter dès les premiers mouvements du coude, par exemple, et pas attendre que on soit ici. Ensuite, il ne se passe plus rien parce que effectivement, on a passé donc la pause et donc le bras ne bouge plus. Mais si on doit encore augmenter, il faut venir corriger ici le creux, donc à ce moment-là, l'intersection donc au niveau du coude, des mèches, venir travailler là-dessus. Un peu en réduisant, et donc on va pouvoir effectivement corriger, transformer donc ce mesh pour qu'il présente la morphologie exacte que l'on recherche selon la position donc des différents joints composant le squelette. Donc un dernier petit exemple ici, si on ce qu'on va être amené à humaniser entre guillemets donc notre grenouille, donc la mettre sur ses deux pattes et qu'elle serve des bras comme un humanoïde, mais donc on aura tendance à replier donc la colonne hein, à plusieurs niveaux et on peut s'apercevoir que peut-être on peut avoir voilà des problèmes au niveau donc ici on le voit. Du corps, on n'aimerait pas avoir ce pli, mais plutôt quelque chose de plus doux et peut-être un peu même gonflé au niveau du corps. Donc on peut travailler là-dessus, notamment sur alors ce pli-là, ça se va à peu près bien. Ok, et celui-ci, ok, voilà. Donc on peut prendre celui-là, par exemple, donc le remettre dans la pose ici, donc neutre. Prendre les trois éléments, hop, voilà ici, et venir faire Create Pose Interpolator. C'est-à-dire qu'on peut en créer un deuxième, qu'on va renommer Rename Colonne. Colonne. Voilà. Ok, une deuxième pose. Si je reviens sur le premier, je retrouve mon travail. Je viens sur colonne. Je n'ai pas pour l'instant de pose rajoutée. Donc je vais venir ici, donc. Replier un peu, ok, pour créer une pose et surtout celui-ci, voilà, qui va venir si je dois le replier ici fortement pour corriger un peu cet effet-là. Ok, et donc je vais faire add pose ici, donc call pli 1, ok. Les mêmes paramètres, bone joints, create post shape ici. Ok, je suis en mode edit. Ok, ici, puis je vais venir donc corriger, encore une fois avec du sculpt ou du paint, hein, enfin du sculpt, pardon, ou en déplaçant donc les sommets. Alors c'est pareil, le déplacement, il peut être aussi donc dans les settings Move Tools, hein, je le rappelle, on peut avoir donc Soft Selection ici, Soft Select qui va permettre donc d'avoir un déplacement plus doux de l'ensemble. Alors là, on voit les zones d'influence, hein, du noir, c'est pas influencé, rouge, c'est influencé, jaune, c'est très influencé. Et donc on voit qu'on va quand même pas mal influencer la zone trop, donc on va réduire le Fall-off Radius ici. Ok, voilà, là ça peut être un peu plus intéressant. Ok, éventuellement si on veut procéder comme ça. Mais on est en low poly, je vous montre juste la technique ici, voilà. Hop, ok, hop, voilà. Voilà. On va mettre même 0,5 en radius, quasiment pas d'influence. Ici, voilà. Ok, ça nous permet de travailler un peu en soft. Donc notre travail ici, voilà. Encore une fois, on peut
peindre. On peut venir smousser par contre avec l'outil smousse éventuellement si on veut obtenir quelque chose de, voilà, de plus doux. Et ici, oops, sur l'objet. Voilà, ok. Voilà, ça donne une petite transformation ici que l'on peut donc retravailler à loisir. Donc on peut, ce qu'on peut faire, c'est revenir aussi sur la pose. Donc ça, c'est assez intéressant. Ok, voilà. J'enlève le edit. Ok. Et donc on peut voir la fuite pour repasser en mode objet. Ici, voilà. Ok, donc on n'a plus cet effet de pli ici qu'on avait, puisqu'on l'a corrigé, donc on a un petit repli qui se fait, mais voilà, on a plus ce pincement maintenant, et ça c'est vraiment intéressant pour venir corriger des petits effets comme ça avec le Pose Editor. On voilà deux petits exemples vraiment très simples sur un petit modèle donc de la grenouille ici, mais qui on voit nous permet donc soit d'accentuer certains phénomènes comme on a vu pour le bras, soit de venir donc corriger des petits défauts de pli ou de surpli qu'on pourrait avoir donc au moment de rotation donc d'éléments dans le squelette.